Hello les amis, coucou, salut les amis. Aujourd'hui, notre sujet, nous allons parler de la maîtrise de soi. Oui les amis, la maîtrise de soi. Comment maîtriser nos émotions? Vous savez, quelquefois dans la vie, on se retrouve dans une situation incontrôlée, une situation inattendue. Et là, on est face à un obstacle. On se dit, mais comment nous allons résoudre cela? Soit on se met à paniquer, ou soit on se met à être perturbé, ou soit on reste calme, on se maîtrise, on maîtrise nos émotions pour pouvoir affronter la situation, pour pouvoir gérer cette situation. Oui, les amis, c'est ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le fait de ne pas être perturbé, c'est le fait de ne pas tomber dans les pièges de la situation. C'est le fait de s'en sortir et dire, ah, j'ai su me maîtriser, j'ai su poser un dialogue, une médiation, afin de sortir de ce problème-là. Oui, la maîtrise de soi, c'est ça. La maîtrise de soi, c'est le fait que quelqu'un vient te provoquer et que tu arrives à éviter cette personne-là tout en ne coûtant pas cette personne, en se maîtrisant et poursuivre son chemin. Oui, c'est ça la maîtrise de soi, les amis. Oui, les amis, nous devons nous maîtriser dans toutes les situations, quels que soient les problèmes. Parce que quelquefois, on est perturbé dans des situations où on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans ces moments-là, il faut dire, ah, attends, il y a un problème là, il faut que je me calme, il faut que j'arrive à résoudre. Oui, les amis, c'est cela. Donc, il faut se maîtriser, quelles que soient les choses. Sinon, les choses peuvent se dérouler mal. Les choses peuvent nous échapper et après, on est perdu, on perd plein de choses. C'est ça la maîtrise de soi. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet aujourd'hui, pour dire qu'il faut garder son calme dans tous les contextes. Même si quelqu'un te provoque, quelqu'un te fait du mal ou quoi, il faut savoir te maîtriser. Il faut savoir garder tes émotions. Il faut savoir montrer à l'adversaire ou à la personne en face que tu n'es pas une personne à manipuler comme il le veut. Non, il faut lui montrer que tu es plus fort. Il faut lui montrer que tu sais éviter les problèmes. Oui, la maîtrise de soi, c'est cela. Alors les amis, je vous invite à vous abonner, partager la vidéo et à très bientôt. Bye bye!